Voilà, nul ne rentre ici s'il n'est chrétien. Donc toi, tu es chrétien? Je suis chrétien, bien sûr. D'accord. Tu vas nous le prouver en répondant à cette question. Où Jésus-Christ, notre Seigneur, est-il né? À Bethléem, bien sûr. Bravo! Ok, tu peux rentrer. Donc, il faut connaître la Bible avant de rentrer dans cette maison pour manger. Non mais, Google va me sauver. Et toi, tu es chrétienne? Oui. D'accord, tu vas nous le prouver également. Qui a trahi Jésus-Christ notre Seigneur? 11 500. What? Mais c'est bien Judas, Judas Iscariote. Applaudissez. Ouais, c'est vrai, applaudissez. Bravo, tu peux rentrer. Ok. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Alléluia. Amen. Allah. Tu es sûr? Je suis sûr à 100%. D'accord. Nous allons le vérifier. Quel était l'événement majeur de Pierre envers notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ils sont ici? Un instant. Mon portable vibre. J'ai un appel. Un instant. D'accord. Yes! Oui, allô? Non, j'arrive. Hein. Voilà, je suis dans un événement là. J'arrive. Je vais pas durer. D'accord. Donc, à tout à l'heure. Hein? Ok, donc je suis à vous. Vous disiez? Je dis, quel était l'événement majeur de Pierre envers notre Seigneur Jésus-Christ? Pierre a renié Jésus 3 fois avant le chant du coq. Lycée. Bravo! Non, tu peux... Ok, ok. Tu peux rentrer. Des bons chrétiens, chérie. D'accord, donc on va rentrer pour le repas. Bon appétit, les gars. Merci. Et une dernière question. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, car je sais que vous êtes chrétien. Alors, la question est la suivante. Jésus a transformé l'eau en quoi? Non, mais ça, c'est facile. Il a transformé l'eau en bière. Oh, pays. Je suis père. On dirait qu'il y a un intrus parmi nous. Yeah! 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 Mais y a mon curieux qui est resté là-bas. Quelle humiliation! Quelle humiliation!